Avec la Cocotte-Minute SEB, on peut tout cuisiner. Quand je dis tout, c'est tout, même des desserts. C'est ça la Cocotte-Minute. C'est tout d'abord la découverte en famille ou avec des amis de plats partagés. Et ça, c'est le plus beau des souvenirs. Alors aujourd'hui, je vais faire deux recettes. Un dessert. Et alors un dessert que moi j'adore, hein, c'est la grosse crème caramel pour 8 à 10 personnes à partager. Vous voyez, on est vraiment dans le partage de la gourmandise et en plus, c'est facile à faire. Je vais vous faire aussi des gâteaux fondants, mais à base de légumineuses. Donc, ça va être des gâteaux qui vont être salés. On va mettre ça dans des petits moules et puis après, c'est parti pour la dégustation. Moi, je suis expert dans le culinaire. Donc, on travaille avec le marketing, avec la recherche, avec le développement, sur le développement de tous les nouveaux produits. On est garant du résultat culinaire. Hein. C'est notre travail à moi et à mon équipe. On va faire des tests recettes pour qualifier des résultats. On va donner peut-être des nouvelles directives, des nouvelles directions. Et finalement, c'est comme ça qu'on développe de manière simplifiée nos produits. Voilà. Avec une Cocotte-Minute SEB, on peut tout faire, donc c'est facile d'évoluer. On a des livres recettes qui sont adaptés à chaque Cocotte-Minute SEB, finalement. On ne fait pas forcément que les mêmes recettes depuis les années 50. Il faut évoluer aussi avec son temps. On suit finalement l'évolution de nos utilisateurs, de nos consommateurs. Nous, on est toujours preneurs de stagiaires pour goûter les plats. On a besoin d'avis différents et complémentaires de toute manière. Donc, vous êtes la bienvenue. Ha 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 ha!